Axel, mon engagement. Élève de collège, Axel a décidé de prendre un engagement. J'étais un peu tout seul dans mon coin en cours d'anglais. Je n'osais pas prendre la parole du tout. Et puis, je me suis dit, faut que j'essaye. Et puis, pour essayer de remonter ma moyenne, vu que tout le monde se moquait un peu de moi, entre guillemets, j'avais décidé de réagir pour pas me laisser faire et plus justement plus participer pour plus me laisser écraser, entre guillemets. Axel a choisi d'oser participer en classe. J'avais pris l'engagement de plus participer en cours d'anglais et de plus lever la main pour avoir des meilleurs résultats. Bien sûr, au début, ça n'a pas été facile. J'ai un peu eu du mal parce que j'avais encore peur du regard des autres à ce moment-là et comment j'ai pris sur moi pour plus participer, mais ça n'a pas été très, très simple. La prof m'a encouragé un peu plus et du coup, je m'exprimais plus et elle me disait mais c'est pas grave, vas-y, essaye et puis même si tu te trompes, c'est pas grave. J'ai eu vraiment le déclic après, quoi. Axel a réussi parce qu'il avait un plan. J'ai essayé de m'organiser par rapport aux cours que le prof faisait et comment avec ce qu'il j'ai essayé de comprendre les mots qu'il disait parce que je comprenais pas tout au début. Puis j'ai essayé de détailler sur un papier tout ce qu'il disait, les mots que je comprenais et après lui répondre de manière similaire. Aujourd'hui pour Axel, beaucoup de choses ont changé. J'ai moins de difficultés à prendre la parole auprès des autres. Comme ma moyenne, elle était de 10, donc elle a passé à 15. Et c'est plus simple pour moi de participer en classe parce que j'ai moins de difficultés à parler devant les autres élèves.